Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous déçus de la prestation de notre équipe. On va analyser cette rencontre qui opposait Arsenal au Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. Défaite 2 à 0 à l'Emirates Stadium. Kai Havertz avait ouvert la marque à la 20e minute de jeu. Et la 35e, Bukayo Saka fait le break et avec ce résultat, le club de la capitale concède sa première défaite de la saison, toute compétition confondue, hein, c'est le premier revers pour cette année. Le classement de la Ligue des Champions, je te l'affiche juste ici, donc on est actuellement 19e sur 36. Faudra absolument réagir, faudra repartir de l'avant, hein, parce que ce match est à oublier, hein, face aux Gunners. On était clairement en dessous par rapport à cette équipe d'Arsenal. C'était le premier gros test cette saison et malheureusement, on a échoué. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Arsenal. Globalement, je suis dégoûté. Dégoûté par rapport à ce qu'ont proposé les Parisiens. On était vraiment en dessous par rapport à cette équipe d'Arsenal. Les Gunners sont clairement dominer le PSG dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine physique, technique, tactique. Arteta, il a donné une leçon de football à Luis Enrique. C'est clair et net là. On a bien vu Arteta, et il n'a même pas forcé. Hein. Il n'a même pas forcé. La tactique d'Arteta, c'est on joue bas, et dès qu'on récupère le ballon, on part en contre-attaque. Et à chaque fois, ça a très bien fonctionné. Et à chaque fois, le PSG était dépassé. La première période, tu voyais, Arsenal, ils avaient la possession de balle, mettaient de l'intensité dans les duels, de l'agressivité, de la vitesse sur les côtés, que ce soit avec Leandro Trossard ou encore avec Bukayo Saka. Et à force de pousser, ils ouvrent le score à la 20e minute avec Kai Havertz sur une accélération de Leandro Trossard sur le côté gauche. Il repique un tout petit peu dans l'axe, il centre. Il n'est pas attaqué, il centre pour Havertz. Et Donnarumma, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il sort. Le mec, il fait quasiment 2 mètres. Avec les bras, il fait plus de 2 mètres. Et il se fait bouger par Kai Havertz. C'est normal, ça. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Le mec, il fait 2 mètres. Normalement, dans les airs, il doit dominer tout le monde. Là, il se fait bouger par un mec plus petit que lui. Kai Havertz, il est plus petit que Donnarumma. Et il le mange dans le duel aérien. Il le mange. De toute façon, on le voyait sur sa sortie, Donnarumma, il était déjà en retard. Dès que le centre de Trossard il a été effectué, c'était fini. Enfin, tu voyais le centre, dès que Trossard il a centré, c'était mort. Il avait déjà un temps de retard. Alors, soit la défense, Pacho et Marquinhos, ils n'avaient pas anticipé le placement de Kai Havertz. Mais quand même, Donnarumma, il doit faire beaucoup mieux sur cette action. Donc là, Arsenal qui ouvre le score, 1-0. Paris qui réagit avec une occasion de Nuno Mendes sur bah, une action, une percée du latéral portugais. Sa frappe est malheureuse à l'entrée de la surface, il déclenche une grosse frappe. Malheureusement, elle est déviée par le poteau de David Raya. On pousse pour égaliser, mais on n'y arrive toujours pas avec Désiré Doué, avec également Achraf Hakimi, mais ça passe toujours pas. Et à la 35e, Arsenal qui met le deuxième sur un coup de pied arrêté. On savait très bien que Arsenal, les coups de pied arrêtés, c'est leur point fort. On sait très bien que c'est dans ce domaine-là où ils sont les meilleurs. Et on l'a bien vu. On l'a bien vu, Bukayo Saka qui marque sur coup franc. Et Donnarumma, encore une fois, qui se trouve sur la frappe de Saka, je ne sais pas. Alors, soit il est masqué, mais le nombre de fois qu'on a vu des gardiens sortir des ballons. Alors qu'ils étaient masqués au départ de l'action, on en a vu un paquet de fois. Enfin, moi, je trouve que Donnarumma, il aurait pu la sortir. Là, les deux buts, c'est pour sa pomme. C'est clair. Là, Donnarumma, il fait deux grosses erreurs. Ça fait 2-0, Arsenal qui fait le break à la mi-temps. Deuxième période, Paris qui a la possession balle. C'est vrai, on a la possession du ballon, mais on ne propose rien. On ne propose rien, il n'y a pas de prise de risque. Offensivement, c'est très pauvre. Barcola, il est passé à côté de son match. Alors, soit il était bien entouré par les joueurs d'Arsenal, il était entouré toujours de 2-3 joueurs. Arsenal a bien verrouillé Bradley Barcola. Kangin Lee, c'est assez moyen.
Désiré Doué, qui a été aussi qui était titulaire, il a quasiment rien apporté. J'ai rien contre lui, mais dans un match de Ligue des Champions, on a le sentiment qu'il est pas à la hauteur. Alors, il est encore jeune, hein, il a encore du temps devant lui hein, pour progresser. Mais mettre Désiré Doué titulaire, enfin, voilà, ça me gêne un petit peu parce que pour moi, Désiré Doué, il doit pas être titulaire, il doit pas démarrer ce match pour la Ligue des Champions. Enfin, pour ma part, je l'aurais pas démarré. J'aurais pas mis titulaire, j'aurais mis plutôt Asensio, tu vois, Marco Asensio pour apporter un peu plus d'expérience. Mais ouais, Désiré Doué, là, j'ai pas trop compris pourquoi Luis Enrique l'a mis titulaire alors que tu avais Asensio sur le banc. Mais ouais, après le milieu de terrain, c'est pareil. Neves, Vitinha et puis Zaïre Emery, on pensait qu'il y avait à avoir de la. On pensait que ces trois joueurs allaient apporter de la créativité, de la touche technique, mais au final, ils sont fait manger, hein, on a bien vu. Avec le milieu de terrain Declan Rice, Thomas Partey, hein, les deux, ils ont bouffé les trois milieux du PSG, hein, que ce soit Zaïre Emery, Vitinha ou Neves. Ah, au milieu de terrain, on a perdu la bataille. Mais ouais, c'est. Non, deuxième période, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, pas de prise de risque. C'était trop stérile. Trop stérile. On passait tout le temps vers l'arrière à chaque fois qu'on arrivait pas loin des cages. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Fabian Ruiz et de Kolo Muani, ça change absolument rien. Kolo Muani qui fait une entrée à chaque fois qu'il reçoit le ballon dans les pieds, t'as l'impression qu'il a une patate chaude. Le mec, c'est genre dès qu'il a le ballon, oh putain, un ballon dans mes pieds, vite, vite, il faut que je m'en débarrasse parce que sinon je me brûle les pieds. Enfin, j'ai l'impression, c'est dans sa tête, Kolo Muani, c'est ça. L'impression dès qu'il a le ballon dans les pieds, l'impression que c'est. Voilà, il n'y arrive pas, l'impression qu'il a une patate chaude entre les pieds. C'est ouais, non, de Kolo Muani, c'est pas ça. Non, c'est franchement, c'est un match à oublier. Honnêtement, c'est un match à oublier. Arsenal, ils ont même pas forcé. Hein, en deuxième période, ils ont même pas forcé. Mais s'ils avaient forcé, s'ils avaient mis la même intensité qu'en première période, je pense que le score, ça aurait été un 3, voire même un 4-0. Ça, c'est clair et net. Comme je te dis, on était vraiment en dessous des Gunners. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc, l'entraîneur espagnol qui, comme d'habitude, a aligné un 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. João Neves et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec. Désiré Doué, pardon, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche, et en pointe, enfin en faux numéro 9, le Sud-Coréen Kang In-Lee. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Fabian Ruiz à la place de Vitinha au milieu de terrain et l'entrée de Randal Kolo Muani à la place de Désiré Doué. Que dire sur cette compo? Bah, comme je disais, le choix que je comprenais pas. Que je comprenais pas, c'est pourquoi tu mets Désiré Doué titulaire dès le début du match. Hein. Je comprends pas pourquoi il a démarré le match. Alors, soit c'est pour pallier l'absence de Dembélé. Hein. Luis Enrique a écarté Dembélé pour une altercation entre lui et l'attaquant parisien. Donc, il l'a écarté. Bon, c'est très bien. Ça, je remets pas en cause le fait de t'imposer dans ton autorité. Ça, c'est pas un problème. Surtout quand le joueur il respecte pas les consignes, donc c'est normal qu'il soit mis à l'écart. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu mets pas Asensio, tu vois. Alors soit c'est pour apporter un peu plus de vitesse, de percussion sur les côtés. C'est vrai que Désiré Doué, c'est un joueur très rapide. On voyait dès les premières minutes dès qu'il avait le ballon, bah il se faisait vite rattraper. Il se faisait vite rattraper. À chaque fois, c'est un petit peu brouillon. Ah, j'aurais préféré voir Asensio. Personnellement, j'aurais préféré voir Marco Asensio d'entrée. Après, pourquoi pas le faire entrer en cours de match, hein, Désiré Doué. Mais titulaire d'entrée, ça, c'est un petit peu gêné. Et puis après, le milieu de terrain, Fabian Ruiz qui était sur le banc. Bon, on s'y attendait, on s'attendait à la titularisation des trois milieux, hein, Zaïre Emery, Vitinha et João Neves. Après, le reste, comme je disais, c'est du classique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par les Gunners. Arsenal a eu 35% de possession de balle, un corner, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés.
3 hors-jeu de signaler du côté du Paris Saint-Germain, 65% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 1 hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les stats, alors oui, le Paris Saint-Germain a eu la possession du ballon, surtout en deuxième période, mais c'était beaucoup trop stérile, comme je disais, c'était trop stérile, il n'y avait pas de mouvement, ça marchait. Il n'y avait pas de créativité, enfin, on avait le ballon, mais on ne savait pas quoi faire. On était en panne d'inspiration. En termes d'occasion, on en a eu un peu plus, mais on manquait d'efficacité, de réalisme dans le dernier geste. Arsenal était beaucoup plus réaliste. Hein. C'est simple, comme je disais, la tactique, c'était on joue bloc bas, dès qu'on récupère le ballon, on part en contre-attaque, et ça a très très bien fonctionné. Hein. Bravo Arsenal, hein, qui mérite amplement sa victoire. J'ai pas grand chose à rajouter pour les statistiques et puis les tops et les flops pour finir la vidéo avec ça. Bah, pour moi, toute l'équipe a été mauvaise, hein. Pour moi, je mets tout le monde dans les flops. Je vois pas un joueur qui sort du lot. De tête, j'en ai pas un qui sort du lot. Donnarumma, pour moi, c'est le plus gros flop. Ça, c'est clair. Donnarumma, c'est le plus gros flop. C'est lui qui fait les deux boulettes, hein, sur les deux buts. Deux grosses erreurs. Alors, soit il a fait quelques arrêts en deuxième période pour éviter la catastrophe, mais c'est clairement insuffisant, là. Les deux buts, il aurait pu les éviter. C'était évitable. Après, la défense, Marquinhos, Pacho, ils ont pris un sacré bouillon, même si Pacho, il a fait quelques bonnes interventions, mais il était quand même souvent en difficulté. Marquinhos, pareil. Les latéraux, Hakimi, Mendes, ok, il a porté du danger sur le côté gauche, mais c'est trop peu, c'est pas suffisant. Et puis défensivement, il relançait de manière hasardeuse les ballons. Hakimi, c'est pareil, techniquement c'était trop brouillon, beaucoup de déchets dans son jeu, dans les passes, dans les centres, dans les tirs. Enfin, il était vraiment en dessous par rapport à d'habitude. Achraf Hakimi, milieu de terrain, c'est pareil. Zaïre Emery s'est fait bouger dans les duels, tout comme Vitinha et João Neves. Et puis trio d'attaque, Barcola, Kanguini et Désiré Doué, les trois j'ai mis dans les flops. Barcola, c'était compliqué, il était vraiment entouré, il était bien cadenassé par les joueurs d'Arsenal. Kanguini, il avait du mal à s'illustrer, puis Désiré Doué, tu voyais les limites de Désiré Doué dans un match de Ligue des Champions. Et voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Arsenal Paris Saint-Germain, pardon. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.